Les Mustangs de Vaudreuil sont devenus la Révolution de Saint-Lazare en mai. Puis la Révolution a adopté une philosophie qui est tout à fait novatrice, dans le sens qu'on se spécialise dans la formation de joueurs étudiants qu'on peut ensuite envoyer dans des universités américaines ou des universités canadiennes, tout en continuant à pratiquer un calibre de hockey élevé. Le camp d'entraînement s'est très bien passé. On a eu environ 45 joueurs et puis on a eu quelques surprises dont on ne s'attendait pas. Alors, il y a des joueurs qui ont performé au-dessus de nos espérances et puis pour nous, c'est un point très positif. Notre objectif, c'est d'être compétitif dès le début. Notre but, c'est pas juste de faire les séries, mais c'est d'être une bonne équipe dans la Ligue. Moi, je suis choyé dans mon coaching staff cette saison. J'ai deux entraîneurs qui ont l'expérience de la Ligue nationale en tant que joueur, dont P.J. Stock et Mike Gall. Et il y a aussi notre propriétaire et entraîneur, Dustin Traylin, que lui, en tant que joueur, il a été un gardien de but au niveau universitaire et professionnel. Alors, avec les gardiens, il emmène une très bonne expérience aussi. Bien, c'est sûr qu'on va avoir un hockey qui va être très excitant. La Ligue junior 3 du Québec a toujours offert un bon calibre de hockey, du jeu qui est quand même assez rapide, avec quand même des bonnes mises en échec, un jeu qui va être intense. Bien, je pense que ça fait une semaine et demie qu'environ tous les gars sont déjà arrivés. La plupart du monde reste tout dans un appartement à quatre. Fait que déjà là, il y a une chimie qui se forme. C'est sûr, je vais essayer d'en apporter le plus possible à l'équipe. Je pense que j'ai pas le choix d'être un exemple pour les jeunes qui rentrent dans la ligue. Puis ça comprend un exemple sur la glace puis à l'extérieur de la glace. Puis anyway, je pense pas que des joueurs que ça leur tente pas d'être ici. Tous les gars sont là pour faire les choses de la bonne manière. Fait que d'après moi, ça va bien aller. Donc pour les jeunes, c'est excellent. On est chanceux parce que, honnêtement, nous, la ville, on n'a rien fait. Ces gens-là sont arrivés puis ils ont dit « on amène une équipe 3A à Saint-Lazare ». On a dit « wow, merci ». Puis et voilà, aujourd'hui, c'est fait. Puis je pense on se considère très, très chanceux. Je suis un grand amateur du hockey, donc vous pouvez être sûr que je vais être au parti. Alors, on encourage beaucoup les joueurs du hockey mineur à venir nous voir, à nous supporter en grand nombre. Et puis, en même temps, ça va leur démontrer à eux où ce qu'ils pourraient jouer dans peut-être environ 4, 5, 6 ans, dépendamment de leur âge. On a besoin du support de la population de Saint-Lazare, et non seulement de Saint-Lazare, mais également des environs. Donc, c'est une équipe qui va fièrement représenter Vaudreuil-Soulanges. Donc, on vous encourage et on espère de vous rencontrer ici le samedi après-midi. Ça va nous faire extrêmement plaisir. Puis, je pense que vous allez avoir un bon spectacle, puis vous allez retourner chez vous, vous allez être agréablement surpris.